Le 27 novembre 2023, Liesta Hillman révélait à ses abonnés être enceinte de son troisième enfant. Les problèmes de santé dont elle a été victime sont malheureusement venus entacher son bonheur. Toujours active sur les réseaux sociaux, la mère de famille confiait à sa communauté que sa grossesse ne se déroulait pas comme prévu. En effet, elle était sujette à des complications. Comme à son habitude, l'ancienne aventurière de Koh-Lanta s'est montrée transparente sur ses problèmes de santé. Elle a ainsi levé le voile sur son quotidien de femme enceinte alitée. Le 9 janvier 2024, elle a cependant fait des confidences rassurantes concernant son bébé. Liesta Hillman et Benoît Assadi @Instagram tout va bien. Il faut bien l'avouer, son début de grossesse n'a pas été de tout repos. En novembre dernier, la femme de Benoît Assadi révélait avoir perdu énormément de sang. De quoi susciter l'inquiétude dans les rangs de ses fans. Elle devait ainsi faire une série d'examens médicaux. Selon ses propos, il y avait un risque que son bébé soit un grand prématuré. La raison? Elle avait deux hématomes assez importants, ce qui fragilisait les membranes. Bien que Liesta Hillman n'avait pas vraiment le moral, elle ne s'apitoyait pas sur son sort. En effet, la maman de Julianne et Adrianne continuait à se battre pour le petit être qui grandit en elle. D'ailleurs, la future maman de trois enfants est entre de bonnes mains. La preuve? Elle n'a plus ce hématome. À cette occasion, l'influenceuse a partagé deux clichés, l'un la montrant lors de son échographie et l'autre qui dévoile le visage de son bébé. T'es de morphologie et je dois vous annoncer que tout va bien. Il n'y a plus d'hématome et bébé va super bien. Il grandit parfaitement et se développe à merveille. Liesta Hillman aux anges, voilà une nouvelle qui a particulièrement réjoui ses fans. Ils n'ont pas manqué de la féliciter et de la souhaiter une suite normale de grossesse. De son côté, l'ex-candidate de maman et célèbre a tenu à déclarer son amour pour son bébé. En légende d'une photo postée en story, elle a ainsi écrit « Je l'aime déjà si fort ce bébé ». Une belle preuve d'amour maternel.